Bonjour à toi. Bonjour tout le monde, quand même. Oui, bah oui. Et bienvenue sur ce stream sur The World Ends With You. Enfin, on va essayer ce jeu. La Switch se termine avec vous aussi. La Switch aussi. Ah non, mais c'est Hyrule Warriors qui se termine en même temps. Plutôt. J'espère que... Ah bon, on peut pas jouer avec... Eh non, on va jouer avec les Joy-Con. Mais non, pas les Joy-Con. Ah, j'étais pas prêt à ça. Je n'étais pas prêt. Oh mon dieu, on va jouer comme ça. Attention, il faut attacher, mais je sais pas où elles sont les dragons. Donc du coup, je ne les attacherai pas. Placer les Joy-Con sur une surface plane. Oh là là, ça s'annonce... Ça s'annonce incroyable. J'espère que t'as pas mis de délai. Non, il n'y a pas de délai. Pointez le Joy-Con vers le centre. Lequel? Le droit, du coup. Oh, et l'autre? Non. Non, non. Non, juste un. Veuillez ne pas couper le courant. Bon, on va faire de notre mieux. Ah, du coup, le gameplay du jeu a l'air intéressant. Je pense que je vais faire un combat, je te passerai la manette. Je vais faire un combat. Non, mais comme ça, tu te familiariseras avec le truc, parce que ça a l'air d'être assez spécial, en fin de compte. Ouais, alors, j'appuie sur quel bouton d'abord? Du coup, en fait, cette manette ne sert à rien, je crois. T'as rien compris. Non, mais je voudrais jouer avec cette... On joue avec un Joy-Con chacun. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que on va s'alterner le coup de « c'est moi qui prends la manette, oui, je voudrais jouer avec la Comment manette. Comment ça, c'est moi qui prends la manette? Mais non, et en fait, à chaque fois que tu vas appuyer sur le bouton... Mais là, pourquoi vous dites comme ça, là, avec les deux manettes, alors que normalement, je peux jouer qu'avec une? Parce que, bah, pourquoi il y en a... Vous pouvez jouer de deux manières différentes. Oh là là. Oh, par contre, la Switch, c'est vrai que... Enfin, la Switch... Tu veux que je le fasse? Non, il faut que je m'entraîne. Comment on joue à... Ah non, mais moi, je suis nul avec les comme ça, là. Le motion control, ça va être génial. Hein. Déjà, je comprends pas pourquoi tu me pointes vers là. Mais parce que je voudrais aller en bas, tu vois. Et regarde, là, ça marche plus. Mais c'est normal. Faut réinitialiser tout le temps, tu en fait. Tu tournes. Mais pourquoi tu tournes? Bah, parce que je voudrais aller là. Genre, là. Voilà. Non, faut pas tourner le Joy-Con, faut bouger ta main. Bah, attends, Attends, toi tu veux... Ah ouais, d'accord, mais moi j'ai toujours fait comme ça. Mais moi j'ai toujours fait comme ça, genre la manette, je veux qu'elle aille là-bas. Bah non, sinon après tu vois bien que t'arrives pas. Ah bah, hé, du coup on a que ça. On n'a pas d'option ni rien. Je passe un coup de vent, merci Vati. On bloque la vue de Niku. Oh pardon, on ne connaît pas encore son nom. Ce serait bien que je dise bien son nom aussi, accessoirement. Pardon. C'est un peu un Hikikomori en fin de compte. Motion control, la meilleure façon de jouer à The World Ends With You, bien sûr. Moi je vous dis que ça, ce stream sera une... un avant-goût de Skyward Sword. Génial. Alors c'est quoi le garçon? Pas Sora, hein? C'est Neku. Ah, c'est Sora, mais dans un autre monde. On dit Emoru. Ah non, mais insultez pas Neku, il est cool quand même. J'aime bien Neku, ça va. Et pas Niku. Donc t'es en train de me dire que de fuir. 2006, je joue mal à la Wii. Bah oui. Pourquoi est-ce que tu arrives pas à jouer à Splatoon en motion? C'est ah oui, que non tu mais comprends pas. Ah non mais non mais c'est vrai que on a eu une discussion un jour avec le motion control, mais c'est vrai qu'Adripix au final il a réussi à s'adapter. Mais oui, parce qu'il a compris. Mais ouais, mais moi j'ai toujours pas compris. Toi, tu n'as toujours pas compris. Mais non, moi j'ai toujours pas compris. Mais peut-être qu'aujourd'hui sera le jour où tu comprendras non, comment le motion control fonctionne. Je pense pas. Je voudrais bien faire un petit combat là. Toucher suivant. Eh, mais j'entends des voix dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que dans ma tête, Neku a toujours eu les cheveux plus bruns en fait. Pourquoi? Et d'où sort ce badge? Je me demande s'il y a un rapport, ok, pardon, excusez-moi, Elle est trop bien la vie de traverse de ce jeu. Actuellement, c'est un vrai endroit!
Touchez le badge dans le coin inférieur droit pour capacité de scan. Vous pouvez terminer le scan et revenir à l'écran normal en touchant le badge. Alors, comment on fait? Bon, déjà, à chaque fois, il est... Ah, ouais, là, c'est vrai que j'ai un petit peu moins de mal comme ça. Stratégie amoureuse, trop de monde, allumé, compagnon idéal. Allez, on va voir la stratégie amoureuse. Non, on regarde pas, en fait. Non, on scanne juste, en fait. Des voix, j'ai entendu des voix. Mais pourquoi? J'ai des gens dans la tête, Nick. Ce sont les pensées des gens que j'entends. C'est quoi ce badge? Hein, il y a un téléphone qui sonne. C'est le mien? Ah mince, vas-y. Toi, tu as pris les kanji. Mais je connais pas tous les kanji. Heureusement, Neku sait lire les kanji, donc c'est atteignez le 104, vous avez 60 minutes. J'avais juste compris 60 minutes. Si vous avez... Et j'avais juste compris qu'on serait mort si... On serait effacé. Ah, il y avait le kanji de la mort, mais je sais pas si ça voulait pas dire... Bye bye le spam, hop, supprimé. Hein? Il est toujours là. C'est quoi ce spam de l'enfer? Ah, ma main. Ah, ça commence sur les chapeaux de roue quand même. Hein. Direct, paf, ouais, c'est bon, t'es maudit, Neku, allez hop. Maintenant, on va voir Sora, tout ça, non? En tout cas, je dois dire que j'aime beaucoup la direction artistique et la direction audio du jeu. Des grenouilles. Ah, ça y est, je vais enfin me faire un petit combat là. Qu'est-ce qu'elles me veulent? Coucher la grenouille. On verra si tu te débrouilleras mieux que moi. Ah mince, on est sans défense, vous allez devoir vous sauver. Utilisez le Joy-Con et le curseur plus pour déplacer et attaquer bien plus pendant le combat. Faites bouger nana tout en maintenant le touche de déplacement enfoncé pour éviter les attaques ennemies. Faites bouger en maintenant la touche de déplacement. Ok, donc il faut que je sois constamment appuyé sur R. Parlement de bouton, laissez pour mettre. Ah purée, non, j'ai encore du mal. Hein. Non, mais moi je suis désolé, mais. Non, mais tu peux faire les deux. C'est vrai, ça marche aussi. Oui, ouais, ça marche jamais, moi. Bon, il faut que je cours vite là, apparemment. Bon, je peux pas me battre, ils disent, il faut que je m'enfuis. Donc je m'enfuis où? Il faut que tu trouves le faut que je fuis. Je suis en train de me faire dégommer. Y'a quoi sur le? Non, rien. Ah, mais là, je suis pas obligé de spammer. Ah, en fait, je peux courir comme ça. Bon, bien. Y'a un truc plus, alors je me demande ce que c'est. Où ça, le truc plus? Moins, Il faut mettre pause. En pause. Il faut mettre en pause, ils disent, mais. Bah, il est là où le bouton mais pause. Faut que je file. Et voilà, t'appuies sur faut que je file. Incroyable, tu as réussi à fuir. En fait, glisser rapidement pour sprinter. Au tout début de son sprint, Neku est invincible, ce qui lui permet de passer au travers des attaques ennemies. Pour fuir un combat, appuie sur le bouton pause, enfin de mettre le combat en pause. Puis sélectionner, faut que je file. Mais attention, la fuite a tendance à énerver votre partenaire. Ça tombe bien, on n'en a pas pour l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Au secours, à l'aide! Tout le monde rigole, alors que moi je me fais attaquer par des grenouilles. Arrêtez de faire comme si je n'étais pas là. Où est-ce que je suis? Hein, s'il faut que je me tire d'ici. Franchement, voilà, les gens, Shibuya, ils ont aucun respect. Tu te fais attaquer par des grenouilles, ils te regardent, et c'est tout. En se tirotant leur soda. Voilà, on a vu Shiki. C'est la meilleure. Ce n'est pas un dérivé de Kingdom Hearts 3D, c'est un remaster d'un opus DS sur ta smartphone et tablette. Bah oui, personne n'a dit que c'était Kingdom Hearts. Plaisanter quand je disais qu'on allait voir Sora et compagnie. Ah ouais, lui là, le gars là, il y avait un gars là, il était habillé en noir et il était super populaire. Je sais pas ce qu'il fait, parce que bon, le dites pas non plus, mais je sais qu'il était super populaire pendant un moment sur internet, genre voilà. Mais de toute façon, globalement, pendant un moment, tout le monde avait un avatar de ces personnages. Mais personne n'avait Neku en avatar. Non, personne n'avait Neku. Mais non, Neku. Mais Shiki non plus en fin de compte. Il y avait lui tout le temps. Lui et le gars habillé en noir. Du coup, je sais pas comment il s'appelle parce que je vais pas jouer au jeu, forcément. Je savais pas qu'on pouvait jouer à des mangas. Bon, alors, on va expliquer. On ne joue pas à des mangas. C'est pas possible. attends, on va prendre un manga et on va y jouer en direct. Est-ce que ça marche? Ah, mais incroyable! Attends.
Ça fait tourner les pages. Ah oui. Bon, c'est bon, j'ai fini. Bien joué. En deux frames. En deux inputs, pardon. Exactement comme un lundi en rentrant de vacances. Tu préférerais des vacances permanentes? C'est le premier jour. C'est le premier jour qui est le plus des joueurs. C'est le moment de marquer des points. Pourquoi ce stream commence bien? Comment tu comptes compenser le mois dernier? Ok. Une semaine, ça va pas me tuer, j'espère. Et tant qu'on y est, on se fait un petit pari. Un pari? Histoire de pas avoir l'impression de bosser, je sais que t'adores ça. Ah, trop mon style. Ouais. Bon, d'accord. C'est quoi le pari? Disons Reaper Sport 3, chasse aux joueurs. Voyons qui chopera le plus de joueurs pendant la mission du jour. Tu plaisantes, c'est pas drôle du tout. Ça te plaît pas? Merci. Mais merci. Je vais t'écraser, tu as perdu d'avance. Ok, ouch. Alors là, je demande à voir. Sinon, comme d'hab, le pardon, on paye un bol de ramen au gagnant. Ah non, non, alors en France, on appelle ça un sandwich. Non, c'est pas vrai, on a vu qu'il disait un bol de nouilles. Non, une soupe, ça s'améliore. Une soupe de nouilles au poulet. Ça s'améliore. Ah, je crois que je suis en sécurité. Ah, oh, regarde, Moubot, il demande encore de dessiner des absols. Ah, Moubot, et franchement, là, c'est pas de ma faute. Hein. Désolé, j'ai oublié. Je vous ai rien fait, bon sang, les grenouilles. Oh non, tout le monde est possédé par le... Tout le monde s'est fait manger. Par les grenouilles. Ils ont disparu, qu'est-ce qui arrive aux gens? Ouais, les grenouilles de la mort, que se passe-t-il? Ah, qu'est-ce que je fais là? J'en peux plus! Elles vont m'avoir! Enfin! Hein? Toi, passe un pacte avec moi! C'est pas trop le moment là. Écoute, si on passe un pacte, on pourra battre les échos. Des échos? T'as des acouphènes? Non, tu peux te... Tu veux te faire effacer? Dépêche, on n'a pas le temps! Passe un pacte avec moi, allez! Bon, ok, j'accepte. C'était quoi ces lumières? Tiens! Ah, trop bien, un badge. Utilise ce badge! Mais ces lumières bizarres! Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, on doit arrêter les échos. Ok. Prépare-toi! Pour combattre, vous devez utiliser des badges. Saisissez les commandes en utilisant le curseur plus et la touche speak pour associer un psy. Unique à chaque badge. Essayez maintenant. Bon, alors je sens que je vais encore super mal jouer. Je suis désolé. Hein. Comment on fait déjà? Ah, il faut que je fasse là? Oui, vas-y. Ah, mais ça attaque n'importe où. Ça attaque pas n'importe où, non. Tu dois viser après. Ah ouais, il faut... Attends, oh. Je crois qu'en fait, j'ai pas besoin, en fait. Dès que c'est chargé, je peux attaquer, ok. On a arrêté le bruit, trop bien. Certains badges ont besoin d'un temps d'activation au début du combat avant d'être utilisé. Une fois le jauge d'énergie d'un badge est épuisé, vous devez attendre un peu pour qu'il se réactive. Pourquoi je peux pas valider? T'as pas appuyé sur OK, ah, okay. Correctement. C'est vrai qu'à la base, je crois que le jeu est pas traduit, en fait. Oui. Oh, regarde, je brûle des grenouilles, en bon français que nous sommes. Allez. Faut peut-être ça... le réactiver. Ah non, c'est non, bon, non. Ouais, je sais pas, ça. Bah, il y a un espace vide pour créer un chemin de flamme. Infliger des dégâts au contact. Bon, alors je vais te laisser essayer un peu. Mmh. Comme ça, tu vas faire ton premier combat, toi aussi. Moi, j'ai affronté des super grenouilles. C'était bon. Délicieux. T'as déjà fait le didacticiel, en fait. J'ai déjà fait le didacticiel. Oui, ouais, comme ça, tu vas essayer, toi, mais dans un didacticiel un petit peu plus difficile. C'était le feu. Ça, alors, tu arrives à utiliser le badge. Tu dois être très fort en psy. On dirait que j'ai trouvé le bon partenaire. Les psy, c'est ses flammes. Ouais. Et puisqu'on a passé un pacte, les échos ne nous inquiéteront plus. On est tranquille en somme. Oui, tu vois, rien à signaler. Rien à signaler. Et les échos, c'est quoi? Cette question, c'est les monstres qu'on a affrontés. Les monstres, bien sûr. Et les psy? C'est à ça que sert le badge? Au fait, je me suis pas présenté. Mon nom est Shiki Misaki. Mais tu peux m'appeler Shiki? J'appelle ça du grand n'importe quoi, surtout. On a une longue semaine qui nous attend. Une semaine? Pourquoi une semaine? Le jeu des Reapers dure 7 jours, non? Reaper, c'est quoi ça encore?
C'est qui cette folle? Et toi, comment tu t'appelles? C'est pas elle l'important, où est-ce que je suis? Comment je suis arrivé là? Allez, comment tu t'appelles? C'est marqué Shibuya Station. Bah, ils ont joué un peu à Shibuya. Qu'est-ce que je fais à Shibuya? Quelque chose ne va pas? Une seconde, de carrefour. Je dois juste revenir sur mes pas. Eh mais attends-moi! Akamal Yabuti Jokon utilise le stick gauche pour vous déplacer. Attends, maintenant il faut utiliser celui-là. Mais oui, mais je vois pas pourquoi. Est-ce qu'il y aurait pas eu besoin de ça? Mais tout à l'heure... Attends, maintenant tu peux jouer avec les deux. Attends, là, il part tout seul. Là, quand on appuie sur A, il se dirige. Attends, je regarde. Lui, il sert à rien. Ouais, non, il sert à rien, oui. Parce que si t'appuies sur un quelconque bouton, ça veut dire... Est-ce que tu veux pas changer de... Tiens, d'ailleurs, pourquoi ça va tout seul à gauche? Comment ça va tout seul à gauche? Bah, le Joy-Con, il part tout seul à gauche. Ouais, t'as vu? Regarde, hop! Alors que je bouge pas. Énorme! C'est parce que je suis pas devant? Puis du coup, il veut plus peut-être revenir. Peut-être qu'ils vont resynchroniser, peut-être, avec attends, plus ou un truc c'est... comme ça. Il part quand même tout seul à gauche. Non, mais je veux dire, si on regarde les menus ou un truc comme ça... Ah bah oui, non, il y a pas de menu, en fait, ça fait des trucs. Ah oui, Shiki, elle me suit, du coup. Bah oui, c'est ta partenaire, trop bien. Mais bon, le problème, c'est vraiment... Pourquoi le stick, il va... Comme ma manette, Yanako. Ah non, mais c'est bizarre. On les utilise pas tout le temps, les Joy-Con. Bah après, c'est vrai que les Joy-Con, ils ont parfois un peu du mal... Vu qu'on a plein d'appareils électriques. Ouais, mais là, t'as vu comment ça bouge? Mais je fais rien, hein. Là, je bouge pas. Et si je pose sur une table... Ah, non, je suis sûr, on essaye le Joy-Con bleu, ça marche mieux encore. Les bleus? Oui. Non, mais c'est une blague. Ah oui. Faut pas utiliser les bleus. Non, mais je veux dire, c'est gênant, hein. Parce que si je peux pas jouer parce que ça va à gauche tout le temps et que je dois resynchroniser à chaque fois... Ah, j'ai trouvé des boutons pour bouger. Pourquoi ça a refait ça? Parce que t'as appuyé sur l'autre manette. Faut pas appuyer sur l'autre manette. L'autre manette, en fait, celle-ci, faut l'abandonner. Ou alors tu joues avec celle-ci. Enfin, tu choisis, quoi. Mais... Ah, d'accord. Mais je veux pas, moi. C'est toi qui es bloqué, là. Je peux rien faire. C'est toi qui as pris vrai, le Joy-Con. Je peux pas dire. Bon, bah, vas-y, appuie sur un bouton. Attends, peut-être que lui, il marche mieux, Omar, quoi. Ah, lui, il est plus... Lui, il est plus stable, déjà. Lui, il... Ou alors, c'est parce que je suis trop loin, en fait. Parce que moi, ça va tout le temps à gauche quand je joue. Je pourrais pas jouer ce soir. Ah non, c'est dommage. Attends, moi je voudrais jouer avec l'autre en fait, je préfère lui. C'est terrible, ça m'arrive tout le temps quand je joue à Splatoon. Bah c'est pour ça qu'on a arrêté de jouer à Splatoon aussi avec des... Franchement on a arrêté de jouer à Splatoon avec les Joy-Con parce qu'il y avait beaucoup de soucis. Non, toi aussi ça va à gauche. Ouais. Voilà, là c'est la fin du stream, on peut pas bon, jouer. Attends, il doit avoir un truc quand même pour resynchroniser. Bah il faut recalibrer. Ouais bah oui, c'est ça que je cherche, mais il n'y a pas de menu en fait. Il y a Y pour réinitialiser, ils disent. Ouais, non, ça met juste le game show. Ouais, moi, on veut bien. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de menu, du coup. T'arrives à bouger, là, quand même. Ouais, avec le stick, là. Il disait que ce soit avec le stick, tu pouvais bouger. En fait, si t'appuies sur un bouton en même temps que tu pointes... en même temps que tu pointes, ça fait des trucs... Remarque. Peut-être qu'on peut voir là-dedans, en fait. Calibrage des manettes ou j'en sais rien. Ça doit être là-dedans. Non. Calibrage des gyroscopes, ça doit être ça. Retirer la dragonne, nanana. Ouais, bah ça c'est bon, j'ai déjà fait. Poser la manette orientée vers le haut sur une surface plane et stable. Voilà, c'est bon. Le calibrage est terminé. Fantastique. Est-ce que ça marchera mieux? Ah, bonjour Minuit, comment vas-tu? Alors, je sais pas si c'est moi qui bouge ou... Mais comment tu remets au milieu? On appuie sur Y. Ah, tu viens Minuit? Non, je pense que c'est... Non. Non, cette manette, elle veut vraiment pas. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Mais je me sens pas trop de jouer avec cette manette. Mais après, tu peux recalibrer d'autres Joy-Con. Bon, ah. Tant pis, je joue avec cette manette. Mais toi, ça marche pas du coup avec celle-là. Mais moi, dès que je joue, je vais à gauche. Hein. Regarde.
Ah, là, peut-être que, finalement. J'avais le même problème avec mes manettes de Wii, la technologie n'a pas évolué, je constate. J'ai jamais eu de soucis avec ma manette Wii, moi, perso, donc... Tu liras jamais les dialogues ? Si, si, mais j'étais en train de lire le chat. Pourquoi tu me suis ? Vous êtes en blind, du coup, oui. Pourquoi tu me donnes tant de mal à te suivre ? Lâche-moi, je vais où je veux. Et où veux-tu aller ? On est piégés ici ! Ah, dis pas n'importe quoi. C'est toi qui comprends pas. On a passé un pacte, il faut qu'on reste ensemble. Tu peux pas battre les échos tout seul. Tu ne peux pas survivre. Survivre à quoi ? Au jeu ! Tu veux pas gagner ? Pff, je joue si tu veux. Mais c'est pas drôle ! On va se faire effacer si on gagne pas ! Tu as vu ce qui arrivait aux autres ? Tu veux les rejoindre ? Et puis on est partenaires. Entre partenaires, on s'entraide. Hé, hey, va pas m'impliquer dans tes combines. Tu es déjà impliqué. Tu es un joueur, tout comme moi. Quoi ? Je vois rien. Ah bon ? Alors pourquoi tu as un badge de joueur ? Tu n'as pas un chrono sur la main comme le mien ? J'hallucine. Tu vois, toi aussi tu as rejoint le jeu des Reapers. On n'a pas le temps, l'heure tourne, plus que 20 minutes. Il faut vite qu'on aille à 100K. 100K, c'est quoi ça ? Le 104, 104. 104. Tu l'as reçu l'email, non ? Atteignez le 104 ou vous serez effacé. Ce spam. Sérieux, faut vraiment être taré pour croire ces sornettes. En même temps, ça a été une journée très étrange. Vu qu'elle a l'air décidée à me suivre. Tout en jouer le jeu et voir où ça me mène. Bon d'accord, je te suis. Cool. Et pour la dernière fois, c'est quoi ton nom ? Neku. Neku Sakuraba. Neku ? Trop mignon ! Affaire. Allez Neku, direction le 104. Arrêtez de dire que mon nom il est mignon, bon sang. Oh. Oh. Un personnage bizarre. Mais je sais pas si je dois cliquer dessus en appuyant sur un truc bizarre. Le plus game show, le sel. Ah, merci. Lys JPEG. Je crois. Pour le bonhomme, on n'a pas eu le son là, non ? Si. Si. Ah oui, mais oui, mais moi je voudrais que j'entends que je suis d'une oreille, je suis sourd en moitié. Je peux pas lui parler à lui. Bah, je pense pas que tu puisses lui parler, tu... C'est pas parce qu'il porte un truc rouge qui est forcément spécial. Mais c'est pas, qu'il c'est porte pas un grave. Truc rouge, c'est qu'il a des points d'interrogation sur Ah là 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 là, il a un truc là, tu vois. Tu peux lui parler. Hé, hey, Neku. Il faut qu'on aille au 104 en vitesse. Une seconde, Neku. Neku, il écoute rien. Bon bah. On va se balader à Shibuya. Je t'ai dit qu'on peut pas partir. Voyons. Merde, mais c'est une blague. La prochaine fois, écoute-moi un peu. Et tout ça, ça fait partie de ce jeu des Reapers. Tout juste. Ah, c'est dingue. Elle dit vraiment la vérité. Alors cet email. Neku, vite, il faut qu'on aille au 104. Même son nom de famille est trop mignon. Ah, tu veux retourner voir la statue d'Ashiko ? C'est Achiko, pas Ashiko. Achiko. Je sais pas s'il y a écrit où est-ce que je vais. Alors, je pense que c'est au point d'interrogation qu'il faut aller. Mais oui ! Mais... Ah non, on peut aller là-haut. En fait, le point d'interrogation, c'était pour dire cet endroit. C'est bloqué, pas moyen d'avancer. On peut pas passer ! Mais le 104, c'est pas par là. C'est par là. Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'épie ? Ce type là-bas, qu'est-ce qu'il regarde ? Ah bah, voilà ton fameux... Ah oui, pacte confirmé. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce mur ? Hein ? Neku, c'est ouvert ! Comment ça se fait ? Aucune idée. Un coup de bol, je dirais. Viens, il faut qu'on continue. Ce mec en rouge me semble suspect. Ah, mais il a disparu. Bizarre. Bâtiment 104, voilà. On y est! Le chrono a disparu? Ouf, mission accomplie! La belle affaire. Quoi? Peut-être idiot pour se planter le premier jour. Qui est là? Oh non! Une Reaper? Reaper. Tôt ou tard, vous finirez effacés tous les deux. Du coup, autant m'aider à gagner quelques points, pas vrai? Encore ces monstres! Neku, tu as compris comment te battre? Cette fois, focalise tes pensées sur moi! Quoi? Hé, hey, chacun pour sa peau. Je t'en prie, pour arrêter les échos. Ok. Allez. Si vous avez
et un partenaire, un badge spécial s'affiche à l'écran. Là, il faut que tu appuies sur... Non, mais t'inquiète, je rigole parce que le truc, il est reparti. Hein. T'as dit Y, c'est ça? Ouais, mais du coup, il n'y a plus Y. Non, mais c'est pas grave, je sais ce que c'est. Toucher un ennemi afin d'invoquer Shiki pour une frappe. Toucher là de nouveau pour former un combo. Enfin, attention, la musique est différente, t'affrontes un boss. Ah oui, le boss, la grenouille. Alors, comment on bouge? Il faut que t'appuies sur R. Bah du coup, il n'y a pas R, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Et après, il faut du coup appuyer sur A, mais ah, mais là, il est pas chargé encore, donc je pense que tu dois faire des attaques. Incroyable, tu fais des ces combos là. Ah, ça y est. Oh, elle a... Ah oui, maintenant tu peux l'attaquer. Enfin, tu peux appuyer sur son badge, je suppose. Pendant le combat, l'équipe peut être aidée par son partenaire. Fais attention à la jauge du badge partenaire. Il faut vite, vous devriez attendre sa réactivation. Bien, on va pouvoir se battre ensemble. Ensemble, on peut battre les échos plus vite. Allons-y! C'est rigolo parce que tu fais pas la même voix que dans Kingdom Hearts, là. Oh, c'est dommage! C'est dommage que tu t'en souviennes plus, c'est ça? Bah, en même temps, le Let's Play, on l'a tourné il y a 10 000 ans. 10 000. Je peux pas me souvenir de toutes les voix que je fais! Bien sûr que si! Bah, elle est apparue tout seule, du coup, Shiki? Oui. Et qu'est-ce que je fais, là? Parce que j'ai plus rien. Mais si, c'est bon. Il est rechargé, maintenant, ton tir de feu. Tu peux plus faire du feu? Ah, ok. Bah, je sais pas, tu me dis que Shiki, elle est pas là. Bah ouais, elle était tout... Bah là, ça marche pas. Bon, eh bien, je... Pas besoin, hein, on joue chacun pour soi. Bonjour, j'arrive en retard, c'est quoi le jeu? C'est écrit dans le titre du jeu qui est joué. Bon, c'est dommage si j'arrive pas à invoquer Shiki, ceci dit. C'est fini. Pas encore, Neku, là-bas! Oh, il a l'air costaud, lui, comme si j'avais le choix. Eh, hey, boulet! Pas un boulet! Ouais, bon, en tout cas, te plante pas. D'accord. Ah, en fait, c'est Neku qui vient d'insulter Shiki de boulet, en fait! Purée, t'es pas très sympa, Neku, quand même. Wouah! Ah, je vois que t'essaies de fuir, là, hein? Mais non, j'essaye pas de fuir, j'essaye d'appuyer sur les boutons. Ok, ça aussi, ça fait du feu. Bon, à mon avis, tous les boutons font la même chose, je pense. Non. Y'a un problème! J'ai réussi à l'invoquer à un moment donné. Fallait faire des combos, je crois. Je crois que c'est juste parce que t'avais bien attaqué avec ton truc de feu. Attention, tu t'es pris un gros coup de poing. Oui, j'ai vu. Faut peut-être pas que je me jette dans le monstre. C'est pas grave. C'est génial. Mais non, mais ça va pas. D'ailleurs, ton 5 Pro ne monte pas. La jauge est jaune. Oui, bah c'est pour ça que je croyais que j'avais plus de feu, en fait. Oh, la jauge est jaune. Seulement quand tu t'en sers. Mais il doit avoir un bouton. Et c'est L, peut-être? Non, justement. Ça, le bouton L, ah oui, c'est pour courir. Oui, c'est vrai, c'est pour courir. Et ZL, je fais du feu. C'est vrai? Oui. Moi, j'appuie sur hop pour faire du feu. Oui, mais les deux boutons font du feu. Bon, il doit avoir des... Mais oui, comment on va avoir les tutos? On peut pas aller voir les tutos? Essayez d'alterner. Vendez ce badge. Ah, tu peux vendre un badge. On va regarder dans notre machin. Ouh, on a réussi. Mais tu l'as entendu, le premier jour, c'est rien. Et si ça se corse de plus en plus, on a encore 6 jours. Est-ce qu'on va tenir? Je veux pas me faire effacer. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Et si je me fais effacer? C'est quoi ce jeu à la fin? C'est pas possible! Gars. Je suis vraiment coincé ici à Shibuya! Ah, comment c'est assez improbable! Voilà, bien joué, tu as fini le premier chapitre. Bien joué.
Plus que 7. Enfin, plus que 7 jours. Voilà, tu peux jouer au second die. Peut-être que tu trouveras ouais, comment invoquer Shiki un peu mieux que moi. Ah. Où est-ce que je suis encore? J'espère que ça va aller. Hey. Ah, me fais pas peur comme ça! Grandis un peu, t'es insupportable. Un problème? On est où là? Dans le tunnel près de la gare, non? J'entends les trains. C'est bizarre. Comment on est arrivé là? Voilà la mission. Levez le sort de la sculpture. Vous avez 60 minutes. Si vous échouez, vous serez effacé. Ah. Chrono a repris. C'est pourquoi? La mission. Tu es vraiment pas au courant? Si on n'accomplit pas les missions dans les temps, on se fera effacer tous les deux. Ça me paraît complètement délirant. C'est peut-être pas tant que ça. J'ai vu ce qui est arrivé aux gens près de la gare. Et j'ai rencontré un Reaper. Ça a beau être complètement insensé. Je sais ce que j'ai entendu. Une seconde. Mais le truc, c'est qu'on skippe pas les tutos, on les lit. Pourquoi la date a Mais on les lit mal. Une journée a dû s'écouler. Je veux dire, on l'a lu, vous nous entendez les lire en plus. Je crois qu'après la mission, elle s'est endormie. C'est pas grave, ce qui compte, c'est aujourd'hui. T'as perdu la tête. Bien sûr, que si, c'est grave. Du coup, là, par contre, j'ai lu le chat et du coup, j'ai pas compris ce qui se passait. On a changé de jour. Oui, je sais. Et ils sont endormis. Oui. Et c'est tout. Bah oui, mais pourquoi ils sont énervés? Parce que c'est juste lui qui est énervé. Mais pourquoi? Parce qu'il se souvient pas qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. On était au beau milieu de la rue, en plein jour. Pourquoi on se serait endormi? Bon, ce sport sur la sculpture... Ce sort, pardon. Ce sport sur la sculpture. Ça devait être la statue d'Atico. Peut-être qu'on s'est évanoui. Et puis on s'est réveillé ici. Je me rappelle du rien, du coup, entre les deux. Mais pourquoi cette histoire de sort? Neku? Est-ce qu'on nous a traînés ici ou bien... Neku, fais un peu attention. Tu m'ignores maintenant? Si on coopère pas, on n'a aucune chance. Pas la peine de te comporter comme ça. Qu'est-ce que je fais de travers? Bon, bref, inutile de rester planté là. Allons trouver Atico. Bon alors, est-ce qu'il y a un menu? Ouais, il y a le téléphone alors. Non, on peut rien faire avec le téléphone. Il y avait le badge, mais le badge, mais le badge ça sert juste à entendre. Les pensées? On peut pas entendre les pensées de ce monsieur. Il n'a pas de pensée. Ah, mais c'est le fameux... Ah, on peut lui parler aujourd'hui. Bienvenue. J'ai déjà vu, mais où? Pardon, j'étais énervée. Neku, Atico est par là! Et pourquoi t'es énervée? Parce que... Allez! Ah, vas-y toi-même! Bon, parce que là, tout ça. Et là, il y a les mails. Ah, pas mal. Heureusement hein, qu'on a que. Et plus, ça fait quoi? Bah, plus, ça fait rien, oui. Ah, on peut parler à Shiki. Vous êtes encore dans le tuto. On avait encore accès à rien. Ah, oui, ok. La statue la plus célèbre ici. C'est rigolo parce que quand même les gens ils se moquent de nous mais personne ne sait comment on invoque Shiki en fait. Alors moi je me moque mais je vous dis pas hein, quand même. Quoi? Encore un mur? Ouais, on est piégé ici. Non, plus moyen d'accomplir la mission. Arrête pas de se plaindre. Pourquoi? Parce que c'est la direction d'Atico. Il faut qu'on se passe. On a bien franchi le mur hier, une sorte de règle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne reste pas planté là, trouve quelque chose! J'essaie, figure-toi, peut-être que si pendant une minute, tu pouvais arrêter déjà... Hein? Neku, qu'y a-t-il? Ce type à la capuche rouge, je l'ai déjà vu. Qu'est-ce que tu regardes, Neku? Tu connais ce type? J'allais, je me rappelle, il était au carrefour près du mur. Qui sait, je vais essayer de dire son esprit. Quand vous êtes sur le terrain, touchez le badge de scan... Mais ça, tu vois, ils nous le disent, alors que c'est un truc qui est... C'est la seule chose que tu peux faire au début. Non. Bon, alors, en fait... T'es pas assez près de lui?
Non, mais il y a un bouton qu'on comprend pas, en fait. Non, 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 c'est parce qu'on pouvait pas sonder son esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Pas moyen de le lire. Hein? Tu peux pas le scanner? Avec les gens dire, ça a marché sans problème. Oh mince! Peut-être que les règles ont changé, ou alors le badge est cassé. On peut pas finir la mission sans pouvoir scanner. Mais si c'était seulement lui, il est peut-être spécial. Neku! Ah, quoi encore? Ce type vient vers nous! Ou deux, scanner, effacer tous les échos de la zone. Hein, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça qu'il faut faire pour continuer? Je vois aucun écho! Le monde se résume pas à ce que tu vois. Allez, je cours vite, là. Il est parti. Flippant, le mec. Je comprends pas ce qu'il gagne dans tout ça. Il fait partie du jeu, c'est clair. Ce qui veut forcément dire une chose, intéressant, on peut pas scanner les mecs comme lui. Le monde se résume pas à ce que tu vois. Alors, pour trouver les échos... Hey, on va éliminer les échos. Comment? Ils sont pas là? Mais si, il faut juste les scanner. Tu crois? Bon, essayons. Mais d'abord, je voulais te demander... Tu veux pas tester d'autres badges? Tu en as d'autres, non? Des badges? Oui, ils ont dû t'en donner toute une collection. Exact, dans ma poche. Mais scellez alors! Comment? Tu te rappelles le badge de feu d'hier? Celui-ci? Moi, j'ai pas réussi à l'utiliser. Alors, peut-être que... Je comprends, certains badges marchent que pour certaines personnes. Bon, c'est vrai, il faut tester. C'est lourd. Bon. Voyons ce que j'arrive à faire. Toucher l'un des symboles d'écho qui flotte sur le terrain pendant un scan, et Neku et son partenaire apparaîtront sur la zone de combat. Ah ouais, ok. Et donc, du coup, comment on change le badge? Bah là, il y a... Là, tu les touches. Ah, je croyais qu'on devait faire les trois d'un coup. Les deux badges que porte Neku s'activent en les touchant. Utilisez un ennemi pour le frapper avec la foudre. Les deux badges que porte s'activent en les touchant. Genre, je fais ça et ça le change, c'est ça? Ouais. Ah oui, du génie, moi je suis des fois. Hein. Ah là, j'ai réussi. Ah mais non, ça a changé mon badge, ok. Oui. Bah d'ailleurs, j'ai pas Shiki maintenant. Faut toucher un ennemi avec le curseur. Alors là, je veux dire que le curseur doit être immobile sur lui. Toucher un ennemi pour foudroyer et toucher d'autres ennemis pendant que l'éclair, ça va pour faire un combo. Utiliser un espace vide pour tirer une balle dans cette direction. Ah ouais, d'accord. Touchez rapidement l'écran et retirez vos doigts. Ah. Ah mais tu peux jouer quand même en mode portable. En mode portable, donc tu peux toujours jouer avec le mode tactile. Après tout, le jeu a été pensé pour être joué comme ça à la base. De toute façon, il y en avait 3. Ouais. Alors, est-ce que tu veux en affronter un? Ok. Ouais, tiens. Ah, tu vas faire des taillades, c'est trop bien. On va essayer. Regarde au-delà de ce que tu vois, ça me dit quelque chose. Vas-y, t'avais réussi à en faire un? Ah oh. Faut que tu donnes des coups? Oui, mais faut que je le fasse bien. Tu peux pas enchaîner du coup? Disons que je débute en taillade. Alors, j'ai un peu de mal. T'es pas une pro de la taillade, hein? C'est parce que je la commence trop loin. Ah, là, il compte le mur. Enfin, tu es contre le mur. Je fais des trop grandes taillades. Voilà. Il faut faire ça, du coup? Bah, il faut appuyer et taillader. Ah, il faut appuyer, ok. Balayer l'ennemi. N'importe quelle distance, un écu ira asséner en frappe horizontale. Continue à le balayer pour infliger le coup final qui repoussera l'ennemi. Balayer. Ok, et là, j'ai pas fait exprès. Mais ouais, voilà. Non, mais là, moi, je comprendrais moi, que vous soyez pas content qu'on a skip le truc. Mais là, c'est pas fait exprès. Ouais, tu vas affronter un super ennemi, là. Certains psychs
Ah bah tu devrais essayer les taillades toi aussi. Ah, allez, on va essayer les taillades. Faut que je frappe un adversaire avec un objet. Alors d'abord on écoute un peu la musique. Oh purée, on va jeter des motos. Ah mais j'ai le feu là en fait. Bah prends la main. Attends, du coup voilà, c'est bon. Je l'ai la main là. Non, t'étais dessus mais là t'y es plus. Non, ils veulent pas me mettre la main. Mais t'étais, je t'assure qu'il y avait eu un truc hein. Bon bah je les ai tués aussi. Du coup on n'a pas appris à balayer des obstacles comme des voitures pour pas les propulser dans cette direction, infliger des dégâts au contact. Mais là j'ai bien utilisé la main. Il faut... Tu avais raison, il faut lancer un scan pour voir les échos. Ok, leur compte est bon. On change le perso, tu vois. Objectif atteint. Bravo, vous... Et le mur, il est toujours... Hein? Il a disparu! Pourquoi? C'est parce qu'on a éliminé les échos. Voilà donc comment on passe les murs. Mais... C'est bizarre. Quoi donc? Je croyais qu'on pouvait uniquement battre les échos en duo. Pourtant, j'y arrivais bien toute seule. Moi aussi. Alors comment on fait? Comment on a fait? Vous avez passé un pacte. Ah oui, vous avez passé un pacte. Hein? C'est grâce à ce que vous pouvez les toucher. C'est grâce à ça que vous pouvez les toucher. Seul, vous serez impuissant. Ouais, hop, je recours. Mais... C'est qui ce type? Ah, il en sait trop. Ça doit être l'un d'eux. Bon, en tout cas, t'as assuré. Quoi? Tu as réussi à utiliser tous les badges. Et alors? Alors tu dois être une sorte de génie psychique. Allons, c'est pas parce qu'on utilise deux ou trois badges qu'on a un génie, t'es trop naïve. Ce que je voudrais savoir surtout c'est d'où ils viennent. Hein? Neku, tu as deux badges de joueur. Et alors? Alors comment ça se fait? Tu n'en as besoin que d'un. Qu'est-ce que j'en sais? Comment ça se fait que j'en ai tout court? Ils me permettent d'utiliser les psys pour me défendre contre les échos. Mais... Où est-ce que je les ai eus? Bien... Deux, c'est mieux qu'un. Alors ne t'en fais pas. C'est toi qui me disais qu'il m'en fallait juste un. Tu imagines comme j'ai de la chance? Mon partenaire est un virtuose des psys. Tu es un génie, Neku. Un génie. Je m'en sortirai jamais sans toi. Si tu tiens à flatter quelqu'un, essaie d'avoir l'air plus sincère. Neku, tu m'écoutes? Arrête ça, j'essaie juste d'être gentille. Je t'écoute. Comment je peux le savoir si tu restes juste planté là? Tu pourras enlever ton casque! C'est mal poli! Mais tu vas la fermer, oui! Je viens de te rencontrer, tu me gonfles et tu me trouves que. Là, mal poli! Pas la peine de crier! Qu'est-ce que je vais faire? Elle joue avec son téléphone maintenant, bon, ça suffit. Hé, attends! Ah, maintenant, pour voir l'objectif. Vendez ce badge pour 500. On obtient des badges 500 yens. Eh oui, tu obtiens des badges à vendre. Trop bien. En fait, cette Absol a perdu ses couleurs, ce serait pas mal. Neku, arrête-toi! Où tu vas? Je suis ta partenaire. Ah, c'est juste que je comprends pas le chat, alors ça m'a stun quelques instants. Enfin, je vous tiens. Neku, il est méchant, bah oui! Qui est là? Ouais, vous nous avez bien eu hier, mais aujourd'hui je vais vous fumer! Hein? Quoi? Tu te gourdes de personne? Neku, tu le connais? Ne m'insulte pas! Ouais, tu te me remets pas, demande à tes amis! Amis, de qui tu parles? La ferme, cherche pas à m'avoir, pas moyen de te scanner, tu dois être avec eux! On me la fait pas, moi! Attends, réfléchis! Pete, arrête! Ce ne sont pas des Reapers, ce sont des joueurs comme nous. Quoi? Ah ouais, le badge. Regarde, ils ont des badges de joueurs. Sans doute qu'on peut pas se scanner entre joueurs. Tu te souviens? Moi non plus, tu pouvais pas me scanner. Ah. Oh. Désolé, je me suis un peu emballé. Ah, pas de soucis. On est quitte pour une frayeur. Hier, une fille aux cheveux roses nous a coincés. Avant qu'on arrive au 104. Elle nous a balancé des échos, on a failli y rester. C'est pour ça que tu voulais te venger? Ouais, et au fait, on s'est pas présenté. Moi c'est Beat, et voici ma partenaire, Rhyme. Salut. Coucou, moi c'est Shiki. Et lui là, c'est Neku. C'est mon partenaire. Pourquoi il s'isole? Il est encore en rogne? Non, il est comme ça, t'en fais pas. Chier. Je vous file un tuyau pour me faire pardonner. Vous avez compris comment utiliser vos téléphones? Nos portables? Eh bien, on reçoit aucun appel,
Et pas moyen d'envoyer des messages non plus. Tout ce qu'on fait avec, c'est consulter les missions. Pourquoi ? Ils ont une autre fonction ? En fouillant un peu, on a trouvé des trucs. Attends, tu veux dire que vous utilisez pas les vôtres ? Ça va vous jouer des tours, tôt ou tard. C'est possible. Pas de soucis, si vous avez des questions, il suffit de demander. Faut qu'on serre les coudes, vous captez ? Alors, qu'est-ce que tu veux poser comme question ? Toutes ! À propos du téléphone. Ouais, il peut servir à choisir ses badges. Les choisir ? Comment ? Bon. Voici une canette. Tiens, prends ce badge. Comme ça, tu vas pouvoir le tester. On peut le garder ? Ouais, on en avait un en rab. Génial, merci ! Ah bon bah... Merci. Bon bah... C'est qui cette fille aux cheveux roses ? Cette peau de vache ! Elle nous a attaqué au carrefour. Vu ses ailes noires, ça doit être une Reaper. Ouais, pas humain de la scanner. Ça ne marche pas sur les Reapers ? Ni sur les joueurs, on dirait. On l'a découvert à nos dépens. Désolé. Si c'était une Reaper, c'est elle qui donne les missions ? Va savoir. Oh, ça me fait penser. C'est quoi cette pauvre mission d'aujourd'hui ? Je capte nada. Ah oui, ça. Ah, maintenant on peut leur parler de la mission du jour. Vous savez, quoi sur le jeu des Reapers ? Et qu'il faut survivre 7 jours, c'est tout. Et qu'il y en a une et qu'il y a une nouvelle mission par jour. C'est les Reapers qui les envoient ? Faut croire, c'est leur jeu après tout. Et si on rate la mission, ils nous effacent. Pas forcément. Vraiment ? Bit et moi, on n'a pas atteint le 104, mais on est toujours là. Du coup... On n'a pas besoin de jouer, cool. C'est trop tôt pour le savoir. Mieux vaut continuer les missions. Je veux pas savoir ce qui arrive à quand le chrono atteint zéro. Et toi ? Heureusement, le nôtre a disparu hier avant la fin du temps. L'autre aussi, en arrivant au 104. Tu crois qu'en terminant la mission, Neku et toi, vous avez sauvé la mise ? Vous nous avez sauvé la mise. C'est bien, on a 60 minutes, mais on parle. Qu'est-ce que vous pensez de la mission ? Cette histoire de sculpture et de sort, là ? C'est forcément à Chico ? Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi ! Mais quel sort ? Là, je sèche. Le mieux serait sans doute d'aller sur place. Pas moyen, il y a un mur. Encore ? Comment ça se fait ? On n'arrête pas de rencontrer des murs invisibles. Je crois qu'on est coincé ici. J'essaie de les casser, mais rien à faire. Mais il y en a qu'on peut traverser. Hein ? On a remarqué des types en rouge près des murs infranchissables. Plus de questions ! Plus de questions ! Plus de questions ! Non, j'ai plus de questions. Ah oui, ok. Merci pour toutes ces infos, surtout le coup de téléphone. Ça va beaucoup nous aider. Tant mieux, ravi d'être utile. Je me sens prête à affronter n'importe qui. À ta place, j'éviterai de dire ça. Raim pense que ça va devenir coton. On a qu'à rester ensemble. On dit que deux têtes valent mieux qu'une. Alors quatre, ça doit être encore mieux. Super idée, je marche. Ce serait plus sympa comme ça, hein, Neku ? Fais ce que tu veux, moi je bosse seul. Quoi, Neku ? Dis-moi que tu plaisantes. Lâche l'affaire. J'en ai par-dessus la tête de t'entendre jacasser et j'ai pas eu moins de me coltiner des inconnus. Neku ! Comment oses-tu dire ça ? À savoir, je suis peut-être juste en colère. Je peux pas vous scanner, vous êtes peut-être des joueurs, ou peut-être des Reapers, pas moyen d'être sûr. Mais les bêtes joueurs ! Ça suffit pas. Hé, hey, DJ ! C'est quoi ton problème ? On est sympa avec toi et tu nous traites comme ça ? Ne t'énerve pas, Bit. Je vois ce que Neku veut dire. J'aurais pas dû l'ouvrir. Aïe. Oh. Espèce de fumier ! On va te faire voir ! On veut pas de ton aide ! Allez, Raim, on se tire. Non, attendez, pardon! Ils sont partis! Alors là, bravo, Neku! On a tout intérêt à s'entraider, et tu le sais! Alors, on va les rejoindre! Non, mais tu t'entends! On est partenaires, Neku! Mais je te comprends pas! Ouvre-toi, dis-moi ce que tu penses! Ouvre-moi à toi-même, tu peux me scanner! Tu sais bien que non! Et puis, on est face à face, il suffit qu'on parle! Pour dire quoi? Je m'ouvre jamais à personne! Les autres me font que me ralentir. Je préfère faire à ma sauce. Neku ! Oh ! Dis-moi ce que je dois faire. Oh, touchez le badge pour restaurer des PV. Touche l'icône du téléphone dans le coin supérieur. Quand vous êtes sur le terrain, il faut ouvrir le menu d'action. Q, on s'appuie sur les badges qu'il porte pour se battre. Il ne pourra pas attaquer ses ennemis au combat. Vite, il faut équiper des badges.
Ah, du coup, maintenant, ça y est, le téléphone. Ah mince, je suis parti dans le tunnel de la gare. C'est pas grave, tu peux aller dans la gare pour regarder ton téléphone. Alors, on a Gatito, attaque doublée, Hip Snake, attaque 50%, Pegaso. Ça, c'est juste des marques. Ah, c'est des marques, ça? Ah oui, ok, c'est le podium des marques. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme badge? Ah ouais, il faut qu'on en équipe deux. Ah, mais ils ont pas de marque, du coup, ils sont nuls. Alors, je pense qu'on va pas prendre le tranché. Tu veux pas le trancher? Non, je veux pas le trancher. Bon, on va prendre le feu, c'est bien le feu. Oui. Comment on équipe? Bah, t'appuies sur A. Ah, il faut le garder enfoncé. Ah. Okay. Bon, je prends la canette parce que ça me paraît bien d'avoir un truc qui guérit, tu vois. Mm-hmm. Hein, vu comment on se fait tout le temps hit constamment. Ah ouais, du coup, on a gagné ça et du coup, c'est quoi ça? Ce badge n'évolue pas. Moi, je voudrais les infos quand même. Il y avait... Tu les as passés, c'était la deuxième page. Ah, ok. Alors, ils disent, un badge incrusté de gène rouge, objet essentiel au développement de personnage. Ah. Faut glisser l'argent. Les échanger contre de l'argent, genre. Ah ouais, bon, alors comment gagner de l'argent dans le jeu? Comme ça. Mais non, faut pas les jeter, si. Ah, vendez si, ce badge, faites glisser un badge vers la poubelle. Mais non. Ah, et on peut faire plusieurs sets de badges. Hmm. Ah, mais ils pèsent leur poids. Ah, et du coup, tu peux avoir trop de badges sur toi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut régler la difficulté. Normal. C'est déjà bien. Et on a que ça? Oui. Non, bon, bah. Ah, on a des exploits à faire. On est juste humain. Temps de jeu, 47 minutes. Bien, on n'a rien fait en 47 minutes. C'est bien, ouais. Ah, regarde, c'est tous nos tutoriaux. Bon. Alors, il est où le tutoriel pour... Bah, de toute façon, on nous a expliqué comment on fallait faire, apparemment. On pouvait peut-être améliorer le match partenaire en maintenant la main sur les bons stickers. En mettant la main. Concentrez-vous sur les psyches de Neku. Avez trouvé votre rythme. Passez au badge partenaire. Concentrez-vous sur rien pour... Allez, quand vous avez trouvé votre rythme, vous pouvez passer au badge partenaire. Ouais, mais... Pourquoi vous... Apprenez comment se comporte votre partenaire, puis armez-vous. Facilite sa connexion et contenu. Bon. Eh bien, ah, les options. Je voulais voir les options du coup. Vitesse du pointeur. Ah, on peut. Ah, bah, ah, on plus a... rapide. On a les deux versions. C'est trop bien. On va rester en version remix ou tu peux préférer la version original? Non, on va mettre en remix. Bon, pardon. Du coup, tu veux pas mettre le pointeur plus rapide? Ah, tu veux le mettre plus rapide? Bah oui, il est trop lent. Mince. Tu ne peux pas scanner cette personne. Ah, à mon avis, c'est un Reaper, ça. Bon. C'était la option. Et ça me semble correct, hein, je pense pas que... Ah bah, et du coup, il est parti. Ah non, il est revenu. Bon, bien... Alors du coup, on peut les écouter, les gens, ici? Grand-père! Ah, voilà, du coup. Impossible de retrouver les boutiques de papy dans ces rues blindées. Ils doivent traverser cette foule tous les jours pour aller travailler. Ah, du coup, maintenant, on peut les lire, parce que tout à l'heure, on pouvait pas les lire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui pensent... Besoin de sommeil, compagnon idéal. Alors, tu veux lire le compagnon idéal? Si je me marie, ce sera avec Kat. Ceci est intransigeant des idées brillantes, espérant que c'est juste que c'est un homme. Si je vais maintenant au salon de beauté, je vais dormir pendant le shampoing. Ce serait bête. Ah, j'espère que toi aussi, quand tu vas hocher le coiffeur, tu t'endors. Oh, un monsieur qui veut parler. Allez, tu peux tout me dire. À quoi tu penses? Ce mec, à qui il parle? Dis-moi ce qui te fait souffrir. On n'est pas tous de marbre. Neku, laisse un peu d'air au monsieur. Ah, c'était lui. Oui. Ouais. Faut peut-être le scanner. Ouais, mais je voulais voir si ça relançait exactement le même. D'ailleurs, peut-on jouer à deux en mode portable? Parce que ça doit être un peu incontrôlable quand même. Bah, je vois pas pourquoi on pourrait jouer à deux en un mode, un jeu. Le pauvre. Pauvre monsieur Moyai. C'est entre le marteau et l'enclume, je le vois bien. On vous a mis sur un piédestal, mais... Quelle vie. C'est qui commande, du coup? C'est Neku? Je sais pas, non?
C'est les pensées des gens, c'est pas des commentaires. Ah, oui. Ah, il est là, le monsieur. Notre type en rouge, on doit s'approcher d'un... Ouch ! D'un mur ! Je le savais. Alors, on a juste à battre quelques échos, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle est lente, je dois tout faire tout seul. Neku ! Où tu... Je sais ce que tu es. Mes conditions, lève le sort de la statue. T'es un Reaper. On me paie pas pour faire la causette, joue. J'ai perdu mon temps. Le sort de la statue... C'est bien la mission. Machiko est de l'autre côté de ce mur. Ça veut dire... Neku ! Arrête de partir sans moi ! Hé ! Ah, je m'appelle Shiki ! Tu arrives à dire Shiki ? Hé, je vois une autre statue. Elle est très belle. Ah oui, le mot... Ah, Moyai ! C'est... Le Moyai ! C'est pas sur... Mo... Oui, voilà ! Comme sur l'île de Pâques, qu'est-ce qu'un Moyai fait ? Moai, yai, avec un grec. Je ne me suis jamais trop demandé d'où il venait. Tu crois qu'il est ensorcelé? Je sais pas, il m'a l'air plutôt normal. Voyons ça. Dès lors, si les PV de Neku et de son partenaire tombent, ce serait game over. Pas de panique, vous pouvez reprendre. Ça va alors. Ajouter menu coop, du menu... Ah, attends, on peut jouer en coop. Voilà, c'est bon. Vous pouvez désormais avec Shiki en coop, passer une remise. Trop bien, du coup, tu vois, pas besoin de se passer la manette. Si moi je voulais jouer avec Shiki, hein. Mais tu peux jouer avec Shiki. Non mais je rigole, t'inquiète. Alors bah voilà, on va pouvoir jouer en coop. Le coup du miaou. Ah c'est bon, je joue Shiki. Le lasso de miaou. Bah on peut changer les manettes si tu veux. Non je rigole. Bah si. Tu veux pas jouer avec cette manette plutôt? Parce oui, que si. Vu qu'elle part tout le temps à gauche, bon, je te la donne. Ah mais du coup t'es passé joueur 1. Bah c'est moi Neku, c'est moi le joueur 1, non? Mais oui, mais bon... Je pensais qu'on pouvait changer de manette comme ça. Mais... C'est très difficile. Tu voulais peut-être pas jouer Neku, du coup. Mais c'est bon, j'ai pas de problème avec Neku. Et moi non plus j'ai pas de problème avec Neku. Bah je sais pas. Faut que t'aies scanné la moi... Le moi... Moyai. Le Moyai. Trop bien cette attaque oh, et de retour. Méchant. Oh. Ah y'a un méchant rouge. Alors comment je joue? Parce que bon, au final, ça ils l'ont pas eu. Ah ouais, c'est bon, je suis déjà là, en fait. Ah oui, t'as tes attaques en bas et moi j'ai mes attaques en haut. Bon, alors, ah, je fais le coup du miaou. Attends, c'était Y que t'avais dit, ouais. Ah, mais j'ai plus d'attaques que toi, du coup. T'as dit quoi? J'ai plus d'attaques que toi, du coup. Bah, c'est pas grave. C'est parce que Neku, il vient d'arriver, alors que Shiki, elle sait. Coup du miaou. On peut pousser la voiture, on dirait. Bah ouais, mais il faudrait la main. Mais oui, on a mais pas mis la pousser un peu, je veux dire. Ah oui, ok. Oh, oh mince, on a des rangs. Je sais pas, je faisais que plaisanter. Un écho. Ah, le jeu va devenir plus facile. C'est pas grave, c'est plus amusant à deux. C'est plus amusant. Peut-être que si on émine tous les échos, on pourra la lever. Enfin, si. Ah, d'abord, on s'entraîne un peu sur les jaunes. C'est très perturbant de voir sur les mêmes écrans. Ah ouais, franchement, j'aime bien le fait qu'on puisse jouer à deux, du coup, c'est cool. Ah, les coups du miaou. J'avoue que le truc perturbant, je crois que... Puis moi, du coup, j'utilise le Joy-Con dans la main droite alors que c'est le Joy-Con gauche. Énorme. Attends, finalement, en fait, je crois que je contrôle quand même un peu la caméra, non? Oui, bah, on fait tout ce qu'on veut. Boing, boing. Ah, trop bien, on peut faire la grenouille tous les deux. Ah, c'est aussi stock a été bon. Bon, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Quoi? Mais il y avait des rouges. Le Moyai a été possédé par des échos. Et il a fallu faire un scan pour le savoir. Mais qu'en rouge. Eh oui, parti. On va pouvoir passer maintenant. On a levé le sort de la sculpture. Ça veut dire qu'on a accompli la mission? Non, ça c'était juste pour passer le mur. Tu vois, mon chrono tourne toujours. Oui, le mien aussi. Au moins, le mur a disparu. On va retrouver ce Hachiko, notre véritable cible. Neku, tu parles comme si tu n'en avais jamais entendu parler. Jamais, c'est quoi ça, Hachiko? Quoi? Tu vis au Japon et tu connais pas Hachiko? Tu te rappelles là où on s'est rencontrés hier? La statue de chien sur la place, c'est Hachiko. Sinon, une question. Comment tu as compris comment passer le mur? Tu vas pas recommencer.
Ok, d'accord. On va voir à Chico et puis c'est tout. Ah, trop bien, on a gagné des badges. Ah, trop bien, on peut gagner un emplacement de badge supplémentaire. Ah, mais moi je pourrais jamais, enfin, si je continue de jouer Chiki. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, c'est quoi le truc rouge, là? Il y avait un truc rouge. Mais oui, il y avait des trucs rouges. Attends, déjà, je veux... Ah, tu pouvais me parler. Ils vont être trop forts. Je pense qu'ils sont trop forts. On va mourir. On va se faire exploser. C'est pas grave, on est deux, on va gagner. Bon, c'est bon, c'est un... Ah, je suis ouf. Oui, c'est vrai, mon machin, il va à gauche, tout seul, je suppose. Mais mon machin, il part tout le temps à gauche. C'est dur, en fait. Je suis désolé, hey. Hein, cher. Hein. J'arrive pas à attaquer le loup. Ah, il t'a tué? Oh, non, je level up. Ok, j'ai... Oh, on a eu des... On est encore pire. Vous avez joué en coop avec un autre joueur. Attends, j'essaye de remettre le stick au milieu. Alors... est-ce que je vais essayer de jeter des camions? Tu prends la main. Alors, tu veux qu'on affronte les monstres quand même, parce qu'on a l'air de s'en sortir? Ouais, ça va. Ah, on pouvait me parler. Tu peux parler à Chico. Attends, ça bouge tout seul, là. C'est moi qui fais bouger? Non, c'est moi. Parce que... des bêtises. Tout va mieux. Oh, il y a même des méchants. Pourquoi il y en a là-bas? Allez. Attendez, je veux essayer de jeter des objets. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me demande du coup si le joueur 2 au bout d'un moment il sera nul parce que j'ai pas l'impression qu'il gagne des niveaux. Oh, c'est pas grave. Ah mais non, mon stick il est plus là, c'est pour ça que je fais rien. Et j'ai poussé une moto, attention. Bien joué. On a mis 24 secondes. Ah, on a été rapide cette fois-ci. On a gagné 100 yens. Trop bien. Je vais mettre un autre badge que pousser. Tu vois, je me demandais si je devais suivre le chat avec mon téléphone, mais peut-être je vais le faire finalement. Alors attends. Ah, mais non, je suis pas sur le bon compte. Donc je suis bloqué. C'est vrai? Ah, si, je suis modo maintenant. Je suis modo de ma chaîne, trop bien. Bien joué. Attends, je peux voir un truc du coup? Vas-y, fais des trucs. Ah non, du coup. Attends, une disco sur le mode coop? Toi, ton partenaire, non? Vos amis vous joindront dans la mêlée et prendront le contrôle de votre partenaire. Ouais, non, quel dommage. Je veux voir si je pouvais. Si Chiquet avait un. Non, mais je veux changer les badges! Non, c'est l'inverse, je crois. Ouais. Bon, bah, au plus près, tu peux jouer Chiki. Mais non! Ah oui, tu voulais voir tes badges. Ah là, c'est bon, tu peux parler à Chiki. Trop bien. Alors... je vais mettre... la foudre, hein, c'est bien. La foudre, elle est pas mal, ouais. J'aimerais que tu remplaces le badge. Voilà. Alors, ça veut parler à Chiki ou plus du tout? Il faut que t'arrêtes de bouger, en fait. Quand Neku se met à danser, elle veut bien parler, voilà. Peut-être que le niveau du partenaire est calqué sur celui du joueur. Amène-toi, Neku! Direction à Chico, en vitesse! Bah, je sais pas, pour l'instant, hein, Chiki, elle fait bien plus mal que... Neku. Donc, du coup, je pense pas. Cette jeune demoiselle, elle a pile l'ingrédient qu'il me faut. Les épices. On y est! Et largement en avance! C'est là qu'on s'est rencontrés hier. Les deux endroits sont liés. Bon, levons le sort d'Achiko! Et on fait que ça comment? On pourrait effacer les échos autour, ou... On n'a aucune idée. Et là, pourquoi je peux pas compter sur les autres? Ils savent rien de rien. Ah,
Oh. Alors... Alors le machin, il est caché en haut à droite. Alors, où ici sont les ennemis? Ah, c'est un cochon. Oh, t'as quel... Ah, je fais pas très mal. Wouah. T'as vu mon chat, là? Oui. Ah bah là, je comprends que tu sois MVP. Pensez à scanner un peu partout. On peut avoir des surprises. Hé, hey, je parie qu'Achiko est possédé par l'écho, lui aussi. Scanne la statue! Ce serait pas un peu trop facile? On l'a déjà fait. Ah, c'est clair que là, il y a plein de trucs, hein. Certaines personnes ont vraiment des têtes à chapeau. Je devrais en prendre un pour faire comme elles. La guerre. Les boutiques de recyclage, c'est quoi cette histoire encore? On essaie de refourguer ces vieilleries à d'autres gens. Quel culot. Desséché, j'ai trop soif et tous les distributeurs sont en cours de monnaie et reprennent pas mes billets. Mince, tout ça pour 10 yens. J'ai pas réussi à avoir la guerre en fait. Tower Records et DaeMix ont tous les deux écrit des critiques enflammées dans ces flyers, trop enflammées même. Parfois quand on réfléchit à fond sur un problème, la solution vient d'elle-même, si seulement ça arrivait plus souvent. Pourquoi il n'y a pas de pâte à haricot sur les crêpes ici, hein? J'ai hâte de rencontrer chez moi à Nagoya, là-bas on sait comment les faire. Shibuya Game Show du mois dernier était trop mortel. Les uniformes que portait le staff étaient trop mimi. Oh, j'en veux un. Bon, attends, faut que je remette mon... Il n'y a pas d'écho autour de la statue. T'as essayé un scan? Alors Achiko n'est pas ensorcelé? Est-ce que ce serait la mauvaise statue? Hein? Neku, regarde! Mince, on n'a pas le temps de chercher notre statue. La Terre appelle Neku! Quoi? Oh, quelque chose cloche chez Achiko! Genre? Je sais pas trop, mais il a l'air différent de quand je l'ai vu au festival d'Achi. Alors, voyons ça de plus près. C'est pénible de tout le temps. Avoir le stick qui est parti! Le stick? Mais non, mais le curseur. Ah oui. Pas doute. Quelque chose cloche. Quand je l'ai vu au festival d'Achi, Achiko n'était pas du tout comme ça. Voilà le chien. Alors ressemble-t-il à ça? Achiko a l'air moins sympa. Qu'est-ce que tu... D'accord. Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'on fait, Neku? Ah oui, t'avais regardé de plus près. C'est quoi le festival d'Achi? Oh, c'est génial! C'est un festival où on touche Achiko pour porter bonheur. Si tu touches le bon endroit comme il faut, tes rêves se réalisent. Tu m'en diras tant. Ça a lieu tous les ans! Et à chaque fois, l'endroit où à toucher a changé. Mais si on se trompe... On explose? On attire le mauvais sort! Ah, ça semble un peu radical. Bon, ce sort... Je sais que quelque chose cloche. Non, prends ton temps, c'est pas comme si on était pressé. Pendant ce temps, je vais faire du repérage. Est-ce que je dois me mettre bien devant la statue? Est-ce que je devais appuyer sur un truc mais j'ai pas réussi? Faut que je vois ça de plus près. Parce que là, on nous dit de toucher ici, c'est ça? Mais tu peux rien faire. Bah là, j'appuie partout. Je vois qu'il manque un bout sur Achiko. Ah, il faut peut-être trouver le bout manquant. Mmh. Hey. Faites attention à ce que vous dites dans le chat, parce que si après on peut pas lire, bah ça sert à rien de streamer. Du coup, un petit bout d'Achiko. Ah, tu peux pas aller là-bas. Personne ne parle d'Achiko. Caméléon.
Incroyable. Trop hâte d'aller voir 777 en live. Je vais peut-être aller dans la fosse. Il est si sombre, si mystérieux. C'est le mec le plus canon de la Terre. Ça m'aide pas pour Hachiko. Moi j'en peux plus, j'ai envie d'un bon thé, mais non, c'est du gâchis. Mieux vaut économiser cet argent que de le boire. On est marre des hamburgers de base. Si seulement ils faisaient des hamburgers gourmets, genre au caviar, au foie gras ou aux truffes. Ah bah le foie gras ça existe, hein, c'est bon. Cette mission, j'ai autant galéré que vous à comprendre. Pour l'instant, on se sent pas en train de galérer, on est juste en train de... Oui, tu peux encore parler à Chili. De se dire qu'il faut qu'on trouve un morceau de Hachiko. Pourquoi je bouge? Alors, la malédiction d'Hachiko. Et si on commence à scanner l'environnement, quelqu'un sait peut-être ce qu'il faut faire. Ah bah c'est ce que j'étais en train de faire. Chapeau. Alors on a ah oui, ok, la guerre des flyers. On n'a pas vu Kyo. Attends, j'ai chapeau. Oui, c'est les têtes à chapeau. Desséché, on l'a vu. Guerre des flyers, on l'a vu. Oui, c'était avec Tower Record. Je me demande si Kyo va aller au skatepark aujourd'hui. Faut que j'aille voir le truc en vrai un de ces jours. Putain, c'est pas une pète. Oh! Attends, ça parlait de Chico en plus. C'est vrai? Ouais. Le problème, c'est qu'il y a rien. Attends, je vais attendre qu'il bouge alors, ces chères personnes. Ah, parce que j'ai vu, c'était écrit à Chico, mais comme t'as cliqué en même temps sur les deux, du coup, ça. Bah, il y a le vrai Kat, je sais pas si tu l'as lu. Kat était un groupe de 20 créateurs différents. Logique, la marque couvre plein de genres de sans cesse de nouvelles pièces, ce serait trop pour une seule personne. Regarde toutes ces infos intéressantes sur Kat. C'est terrible parce que du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de modérateur. Donc du coup, je peux pas lire le chat parce que s'il y a du spoil, Eh bien, on ne lit pas le chat et puis voilà, tant pis, on fait un stream. On fait un stream tout seul. C'est triste. Bon, ça sert à rien que je bouge. Quand je suis si oui, j'avais déjà vu. Ah, j'en peux plus. Faut attendre que les NPC se déplacent. Oh là, il y a plein de nouveaux. Ah, il y a Pupi. Bah oui. Pourquoi leur fringue s'use aussi vite? À moins que ce soit moi qui n'en prends pas assez soin. C'est un 4, il est tout rond. On dirait même pas un téléphone. Moins que ce soit pas. Hein, pub de 4 se joue totalement des conventions. Leurs idées sont trop novatrices, si seulement. Ils pouvaient faire des films comme ça. J'ai mis plus d'eyeliner aujourd'hui pour masquer les rides sous mes yeux. Et on m'a dit que j'étais jolie comme un panda. C'est pas ce que j'espérais. On est marre d'avoir un look banal. Il faudrait vraiment que j'investisse. Un accessoire? Je sais. Pourquoi pas un cartable? C'est dommage parce que ces gens là qui sont à côté d'Hachiko, ils pourraient dire des trucs, mais non. Ennuyeux. Oh là là. Non, s'il y avait des trucs, mais le problème c'est que le curseur il fait que aller à gauche et moi du coup à chaque fois je le trouve plus. Ils seront bientôt là, je me demande de quoi ils ont l'air. Ça va déchirer, une fête de slamouraï costumé avec des slamigos du net. Le truc c'est qu'il y en a aussi qui sont juste en dessous d'autres. Chair de poule, d'où vient cette énergie négative dans l'air? C'est quelque chose de différent, quelque chose d'inhumain. Ah, pourquoi les vendeuses me collent-elles? Je voulais que j'achète, laissez-moi regarder au moins. Ah! Ils seront bientôt là. Ah, ok, c'était lui. Non. Non, ah oui, non. Aujourd'hui, je vais rendre 100 personnes heureuses, c'est bon pour le karma. C'est bien. Ah, il y en a un derrière. Ah oui, ok, délire, je crois qu'on l'a déjà vu. Quoi? T'as dit quoi? Délire, je crois qu'on l'a déjà lu. Ah, oui. Alors, est-ce que du coup, vaut mieux partir? Ben, on va voir ailleurs si on y est. On peut pas aller à droite, donc du coup... On peut pas aller en bas, on peut pas aller dans la boutique. Bah non. Là, c'est à la gare routière, je vais me faire gronder par Chiki. Non, mais je pense qu'il y a rien.
Bah si, on va affronter les autres monstres pour s'entraîner. J'avoue, il veut plus parler, lui, tiens. Est-ce que tu peux le scanner un peu? Enfin, tu pouvais déjà, mais... Oh. Ah, Hachiko. Oh. Hachiko semblait tourmenté. Si seulement je pouvais le faire briller pour effacer son chagrin. Porte-moi, Hachi. Oh, donc il faut le faire briller. Alors, comment on fait briller un... Oh, bah... Hé, Hachiko semble triste dernièrement, tu ne crois pas? C'est quoi ce souci avec le mec et ses statues? Il doit être comme toi, à dériver dans une mer de tourments. Si seulement je pouvais le faire briller pour effacer son chagrin, ça l'aiderait à se sentir mieux. Son cœur brillerait à nouveau. Effacer son chagrin à coup de chiffon? C'est stupide. Hé, Neku, il faut qu'on essaie ça. Essayez quoi? De le lustrer! Hachiko avait l'air un peu terne. Et là, j'ai vu une étrange marque sur son dos qui était bleue. C'est peut-être une sorte d'envoûtement. Quelqu'un s'est défoulé à coup de feutre. Enfin, si c'est notre seule piste. D'accord, essayons. Ça marche! Alors, Hachiko, je peux te nettoyer ou il faut que je fasse des trucs comme ça? Grand-père! Non, je pense que tu dois. À moins que dans les dialogues, il va y avoir écrit... Nettoyer! Nettoyer Hachiko. Ah oui, bah, il y a lustré Hachiko, voilà, c'est bon. C'est pas le but du chat? Non, le but du chat, c'est de discuter avec nous, en fait. Techniquement. Si vous voulez discuter avec quelqu'un d'autre, comme dit Shadow313, vous pouvez utiliser les MP. Ok, lustrons-le à fond. Tu crois pas que les gens vont trouver ça chelou? T'en fais pas, personne nous regarde. Et si on nous voit, quelle importance? Si on nous voit caresser une statue... Ouais, bon... Ok, lustrons-le à fond. Ah, vas-y, on peut pas faire la coop à deux pour faire ça? Ah ouais, il devient wow. Bleu. Trop bien. Non, mais ça, c'est des grenouilles. Ouais, ouais, ça devait devenir Hachiko la grenouille. Oh non, pas Hachiko la grenouille. Ah si, Hachiko la grenouille. Qu'est-ce que t'as pas fait? Là, en bas. Oh. Ah, voilà, tu le sens, là, le bruit de grenouille. Quand tu vas dans la mare, il fait... Tu as dit quelque chose, Neku? Non. Tu sais, on dirait que plus on frotte, moins ça ressemble à Hachiko. Arrête de grogner et frotte. Je grogne pas. Je... Ah, il s'est transformé en chien! Neku, quelque chose est sorti de la statue! Hachiko le chien grenouille. Exactement! Ah, mais on est en plein combat! Pourquoi? Ah, bah oui, je me trompe de bouton moi aussi. Regarde, je les aggro et toi tu les attaques, ok? Pourquoi est-ce que quand je fais du feu ça fait rien? Ah, il m'a fait des dégâts! Ah, j'ai plus de score, ok. C'est pas A pour faire des trucs? Si. Alors pourquoi j'ai rien qui se passe? Ah, ça y est, j'ai du feu enfin, maintenant que t'as fini. Yay! Ah, Neku, il fait rien, jamais là, il reste dans son coin là, il regarde. Victoire solo des partenaires! Tu vois Neku en mode, j'ai rien fait! Bien joué. Neku il a rien fait. Mais je vous assure, on a appuyé sur A. Augmente la défense de Neku quand il a Shiki pour partenaire. Plus vous récupérez des stickers, plus Neku devient fort. Mais pas Shiki. J'avoue, si je meurs. Et voilà, maintenant on a une jolie main. Neku, on a réussi. Le chrono a disparu. Alors Hachiko, comme le Moya, il était possédé par des échos. Et notre mission consistait à tous les effacer. Dis, Neku. Ouais. Tu en avais dit que tu n'avais pas besoin d'amis. Ouais, Et tu n'aurais pas pu résoudre l'énigme d'Hachiko sans moi. Et t'aurais pas pu réussir sans moi, tout simplement. Hein, tu plaisantes. Si j'avais pas remarqué ce détail, on aurait peut-être raté la mission. Écoute, Boulet, j'ai pas besoin de toi pour... Alors, en fait, Shiki, c'est Leia, de Tales Auxilia. Sans aucune raison apparente, elle se fait insulter de Boulet. Mais oui, mais je comprends pas. J'ai pas besoin de toi pour résoudre une pauvre énigme. Bien sûr. Si tu veux mon avis... Ah, c'est hyper frustrant! Tiens, encore vous. Hein? Hein? Cette voix hier. Sans cas, c'était toi. C'est toi, ce Reaper. Hé, j'ai bien le droit de faire mon boulot quand même. Alors, c'est vrai? Reaper. C'est elle qui donne les missions. Vous savez que vous me devez un bol de ramen. Pour ne pas avoir disparu bien sagement comme prévu.
cette fille est une Reaper. Bah alors, vous flippez trop pour répondre. Eh bien, je vais... Eh bien, j'ai de quoi vous ramener sur Terre. T'inquiète, je gère. Oui, oui, vas-y. Puisque de toute façon, appuyer sur A, ça a pas l'air de marcher. Appuyer sur A, c'est trop dur pour toi. Bon, alors là, j'appuie sur A, c'est bon. Allez, je tue Shadow, là. Je suis contre Shadow. Alors, par contre, je sais pas comment on utilise les éclairs. Bah oui, mais jetez-vous sur moi. J'ai élevé up. Ah, on a massacré Shadow. Ou Shadow a digivolvé, je ne sais pas. Non. Il y aura bientôt Knuckles, mais il est déjà là. Ah, il est là, mais en fait, il y a même Shadow. Sticker de Shiki. On va voir si le jeu est entièrement doublé en français. Alors déjà, il est même pas un petit peu doublé en français. Alors. Bah, peut-être que maintenant, il va y avoir du doublage. Ah, peut-être qu'il va y avoir du doublage. Un badge incrusté d'une gemme rouge. Dans certaines quêtes de boutique, vous pouvez l'échanger. Ah, ces échos sont plus coriaces que les autres. Eh ben, vous êtes plus fort que je pensais. Mais je suis loin d'avoir fini de jouer. Le prochain écho va vous scier. Non, je peux plus continuer. Il me reste une dernière chance. Hein? Faut que je l'élimine, elle. Ne me dis pas que tu comptes m'affronter. Tu es complètement inconscient. Contre un Reaper, t'as aucune chance. Mais soit, je relèverai le défi. Je m'ennuyais de toute façon. Hein? Elle a effacé son propre écho. Tu as l'air surpris. Les échos ne sont pas de ton côté? Pah! Ne nous mets pas dans le même sac. Les échos sont juste des outils, des pions. Comme vous, les joueurs. Ah, pas question que je laisse gagner cette mégère. Mais est-ce que je suis de taille? J'ai aucune idée de sa force. Peu importe, faut que j'essaye. Non, Neku! Tu dois pas l'affronter! Elle peut t'effacer en un instant! Oh! Eh bien, tu jettes l'éponge? C'est nul! Fallait pas commencer à me chauffer. Rabat-joie! Puisque je suis d'humeur, je devrais finir le travail. Hein? Mais je peux pas. Tu parles d'un dilemme. Ah, je sais, on va bien s'amuser. Un défi bonus spécial rien que pour toi. Si tu réussis, tu pourras arrêter le jeu des Reapers. C'est vrai? Premier juré, pas mal, non? Qu'est-ce que tu en dis? Un billet de sortie. Non, Neku, ne l'écoute pas! Toi, là-bas, Motus. Alors, tu marches, oui ou non? Je marche. Neku! Voilà une bonne réponse. Commençons. Ah, j'ai oublié. Si tu échoues, je t'efface. Quoi? Heureusement, les règles sont très simples. Tu as une minute pour effacer cette fille. Quoi? L'effacer? Bingo, pouf, caput, facile, non? Fais comme si tu effaçais un écho. Pour toi, c'est du tout cuit. Allez, prêt? Partez! Non! C'est pas vrai, elle veut que je tue quelqu'un. Pas question de faire ça. Mais si je refuse... Neku! Trente secondes se sont écoulées depuis l'explosion de la planète Namek. Tu hésites encore? Alors je vais t'aider à te décider. Cette fille est une espionne pour le compte des Reapers. Quoi, une espionne? Mais qu'est-ce que tu racontes? Merci pour tes nombreux rapports. On n'aurait rien pu faire sans toi. La ferme, tu mens! Neku, elle invente tout ça! Ton téléphone... Pourquoi tu n'arrêtais pas de jouer avec ton téléphone? Oh non, c'était pour espionner. Elle n'est pas très douée pour la discrétion. Je suis pas une espionne, je le jure. C'est ça, ciao. Et merci d'avoir joué. 10 secondes. Allez la star, fais ton show. Qu'est-ce que tu attends? Laisse parler ton instinct. Sauve ta peau et tant pis pour les autres. Non, Neku, ne me tue pas. Il le faut. Il doit le faire. Tu peux pas tuer le Joy-Con 2, c'est pas possible. Il va attaquer à côté la fille. Ah non, même pas.
Et voilà, t'as terminé le chapitre. Bien joué. Le troisième jour, tant qu'on n'a plus de personnages en coop, comment on va jouer? Ah! Où est-ce que je suis? Il fait noir, c'est la nuit. Non, je suis dans une pièce. Non, la fille! Elle a disparu. À cause de moi. Alors, tu voulais le revoir? Parce que... C'est au cas où tu t'en souviens pas. Dans l'épisode précédent de The World Ends With You, nous avions Neku qui avait décidé d'attaquer Shiki. Rongé par le remords le lendemain. Il faut que je sorte de là. Où est la sortie? Si je me sers de ce badge pour m'éclairer. Hein? Ça ne marche pas. Je peux pas utiliser mes badges. Bon, bah, je vais devoir avancer à tâtons. Continue depuis l'écran titre, après avoir quitté le jeu et le badge porté par Neku gagneront des PB pendant votre absence, jusqu'à 7 jours. Bon, allez, si t'as la flemme de jouer, bah ça peut monter aussi. Quand vous reprenez votre partie, après avoir fait une pause, les badges portés par Neku auront gagné des PB pendant votre absence. Genre là... Oups. D'ailleurs, l'heure... Attends, t'as lancé le machin avec un bouton? Oui, c'est avec le bouton... En haut? Là. Ok. L'heure ici c'est l'heure. C'est notre heure à nous. Notre heure à nous. Ouais. Ça veut dire qu'en fait on doit bientôt arrêter le stream. Bon voilà, je vais regarder les badges. Eh ben tu peux plus te battre puisque tu as tué Shiki. Oui oui oui. D'ailleurs ils ont tous gagné un niveau. En ouais fait. Là ils sont au niveau max. Du coup je pense qu'il faut que je change de badge pour mettre d'autres trucs. Ah c'est dommage on peut pas switcher. Alors je sais pas si c'est pas bien. Wow, je sais pas, je vais dire. Ah, de toute façon, si jamais on a du mal, je crois que ça recommence et on te dit que tu peux changer de D'ailleurs, c'est moi où j'ai perdu. Ah non, ils sont dans maîtriser. Lui, c'est lui, on le prend en dernier. Alors, je sais pas s'il a techniquement la main. Elle est bien. Hein. C'est pas grave. Balayer vers le haut sur un espace vide. Pour créer une stalactite, un fichier de dégâts au contact. Ok, je vois. En gros, je fais. Et lui. Toucher un espace vide pour tirer une balle. Cette fonction, c'est la meilleure. Ne viens pas jouer et gagne de l'X. Balayer les obstacles comme une voiture. Oui, bon, ça, j'avais compris. Ah, mais j'ai vu que, en fait, dans les patchs, il y a des réglages en plus. Ah, mais c'est pour les organiser. Ouais, c'est ça, c'est pour les classer, en fait. Alors, t'es contente d'avoir tué Shiki? Non, elle est pas morte, je pense pas, parce que sinon... Qu'est-ce qu'elle apparaît dans Kingdom Hearts Dream Bomb Distance, tu vas dire, ouais. Je vois, je vois. Ah, qui est la tu suite. Vois, il faut qu'on équipe des badges. Ah. On peut même équiper de la nourriture. Regarde, je vais équiper Absence. Vous pouvez pas porter ce badge, mais si vous avez un super look, si vous essayez. Quoi? Vous ne pouvez pas consommer cet objet. Si vous l'avez annulé. Attends, ça écrit un truc genre, je peux pas l'équiper le. Ouais, ouais, tu peux pas équiper ça. Mais ah, tu peux peut-être équiper le chat. Ah non, bah non, c'est pour la coop ça en fait. C'est... Non, mais pour l'instant, je crois que t'as rien en fait. Ah ouais, regarde, je peux équiper, combattre avec un porte-tonnerre. Ah, vous auriez un super look si vous portez un. Franchement, un livre, c'est pas Attends, mal. Attends, peut-être que là en fait, il y a les. Bah, je crois qu'on a rien pour l'instant. Ah oui, d'accord, en fait on a aucun badge. On a que des badges d'information. Voilà, c'est ça. Je vois. C'est pas grave, c'est rigolo. Quoi? Ah, c'est pas vrai, vous avez pas recommencé. Pourquoi il a été banni encore? Les gros mots sont pas interdits, hein. Je sais pas où vous avez vu ça. Au revoir Mira, merci d'être venu. Bon, bah du coup, nous, on fait quoi? Ben, je sais pas, tu veux t'arrêter là, du coup? Je me dis que si on joue là, ça va jouer longtemps, alors après, je sais pas. Ben, on peut s'arrêter si tu désires t'arrêter. Ben, c'est pour ça que je te demande, est-ce que t'as encore envie de jouer ou pas? Ah bah c'est sûr que moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe là, actuellement, en mode coop, du coup, puisque... Eh ben, on va continuer. Regarde, là, il y a un monsieur rouge.
Non, c'est pas un monsieur rouge. C'est dingue, j'arrive pas à trouver ce qui est détraqué. Moi, je voulais juste voir s'il y avait pas des méchants. Faire le mode super. Ah ben ouais, mais tu peux pas. À mon avis, on va gagner un autre partenaire. Débrouille pas. Quelqu'un vient de ce côté. Il fait noir, où suis-je? Toi. Ah. Toi. N'est que. Tu m'as filé une de ces trouilles. Ne fais pas ça. Moi, je t'ai filé la trouille, mais t'étais où? Il faisait noir, je cherchais une sortie. J'ai dû trébucher une bonne demi-douzaine de fois. Bon, réessayons. N'est que, les badges ne marchent que contre les échos. T'es sûr? Oui, enfin, à quelques exceptions. Comme la pire psychokinésie. Bon, on n'y voit rien, tu devrais faire plus attention. Tu plaisantes, j'ai déjà trouvé la sortie. Alors pourquoi tu n'es pas... Je vais nulle part sans toi. Allez, quoi, j'ai quand même mon utilité, non? Ne fais rien d'idiot, je vais repartir seul. Pardon? C'est pas l'hôpital qui se moque de la charité? Qu'est-ce que tu attends? Laisse parler ton instinct! Sauve ta peau et tant pis pour les autres! On n'est qu'une tue pas! Il le faut! Allez, un petit flashback au cas où tu t'en souviens pas! Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh, ça va suffire, merci! Qui es-tu? Ah ah ah, Serette, il faut respecter les règles! Donner pour mission d'effacer son partenaire, c'est une infraction manifeste! C'est vrai? Je sais. La partie est finie, je m'amusais un peu, c'est tout. Quoi? Les missions par jour, c'est la règle. Et seul le maître du jeu peut donner les missions. Ça aussi, je le sais. Et comme je suis pas le seul... Non, je suis pas le maître du jeu. Ça pouvait pas être une mission. Et donc je n'ai pas enfreint les règles. Alors tu peux y aller, Serette. T'en as assez fait pour aujourd'hui. Pour un joueur, tu es très calé sur nos règles. Tu m'as eu! Tes promesses qui me permettent de quitter le jeu. T'es des mensonges! Oh, quel vilain mot! Je ne mentais pas! Tes facettes étaient aussi te faire quitter le jeu. Ah, tu m'as complètement gâché le plaisir. Je reste là pour aujourd'hui. On rejouera une autre fois. Merci infiniment. On vous doit la vie, monsieur. Anekoma. Sanae Anekoma. Disons que je suis une sorte de gardien. Je surveille la partie. Mon pied est moins scrupuleux d'enfreindre les règles. Cette tripeur nous a trompés. Elle t'a trompé toi, plutôt. Laisse tomber la petite dame, t'es tombée dans un piège. Elle t'a bien failli la refroidir pour de bon. Tu crois pouvoir t'en tirer seule, tu vas vite déchanter. Maintenant présente tes excuses à la petite dame. Pardon? La rancune nuit à la coopération. Tu veux survivre, oui ou non? Alors vas-y. Pardon. Neku, restons-en là, c'est bon. Tu ne voulais pas, c'est elle qui t'a forcé, pas vrai? Ah, j'aurais dû mieux me défendre! Alors oublions tout ça! Et voilà, c'est réglé! Bon, écoutez-moi bien. Pour survivre dans Shibuya, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire confiance à son partenaire. Et surtout toi, DJ. DJ. Et c'est... Parce que c'est la confiance. Il est indispensable de coopérer pour survivre à la partie. Seul, tu fais face à tes limites. Mais avec un partenaire, tu peux t'en affranchir. Même chose quand tu affrontes les échos, tu peux même rester dans un coin et rien faire pendant tout le match. Si tu crois que t'es tout seul, tu te trompes. Ton partenaire partage toujours ton énergie. Vous devez vous synchroniser, être en symbiose. Et pour ça, tu dois t'ouvrir à elle, parle-lui, dis juste ce que tu ressens, ne la ménage pas. C'est le seul moyen de te faire comprendre. Il a raison, Neku. Écoute, je sais que je suis un boulet, je suis pas très forte avec les psys, mais peu importe, je veux gagner cette partie et je veux qu'on la gagne ensemble. Alors dis-moi ce que tu penses. Tout ce que je veux, c'est te comprendre. Neku? Moi aussi, je veux me comprendre. Mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que... Ce que je me rappelle, c'est mon nom. Je me suis réveillé au carrefour sans savoir comment j'étais là. Pourquoi je fais partie de ce jeu débile? Je sais rien du tout. Parce que je me rappelle de rien. Hein? Hein? Je veux dire ce que ça veut dire. Tu es amnésique? Désolé pour toi, champion, c'est le coup. C'est fou que tu aies perdu la mémoire. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Je savais pas. C'est vrai que ça m'a paru bizarre que tu saches rien du Shibuya ou du jeu. Quoi? Parce que toi, t'es incollable. Eh ben, pas incollable, mais... Enfin, on a de la chance. Grâce à Monsieur Anekoma et à ses conseils, j'ai l'impression qu'on peut enfin discuter, toi et moi. Et puis, il nous a donné un super badge. Oh! J'ai failli avoir une crise cardiaque.
Hé, t'as fait tomber ton téléphone. Ah, n'y touche pas, je m'en occupe. Jolie photo. Tu as vu? L'écran était vers le haut. C'est mon amie. Elle était dans ma classe. Alors tout ce temps? Oui, c'est ça que je regardais. Toi, tu me cries dessus parce que je te cache des trucs. C'est pas une photo. Riku, qui... regarde l'email de mission. Hein? Change de sujet. Qu'est-ce qu'elle me cache encore? Triomphe du maître d'Aist. Vous avez 360 minutes, si vous échouez, vous serez effacé. Les Reapers. Ah. Le chrono. On n'a pas de temps à perdre. Ok. La mission du jour a un rapport avec Aist. Aist. Alors juste... Du coup, c'est quoi le gameplay en fait? Bah, c'est un RPG. Un action RPG. Ouais. C'est un touche RPG. C'est le nom du lieu de concert. Je suis allé 2 ou 3 fois. T'as l'air de bien connaître Shibuya. Bien sûr, je passe mon temps ici tout le temps. Suis-moi, je t'emmène à East. La sortie est par là. Faut que j'arrête de dire à East, c'est East. Ah, c'est bon, on peut jouer en facile maintenant. Genre, alors t'as réussi à arriver jusque là, c'est bon, tu peux jouer en facile maintenant. Et voilà, il est minuit. Bon bah du coup voilà, on peut s'arrêter je pense. Non mais là voilà, c'est un RPG, donc du coup il y a beaucoup de dialogues comme n'importe quel RPG. RPG moderne. RPG moderne. Ah, tu peux parler un peu à Shiki avant de terminer. Chaque chose en son temps. La sortie. La sortie, c'est la fin. Hein. Ouais, ouais, bon. Bah après, voilà. Du coup, ah oui, bah, on peut quand même parler du jeu. C'était agréable de regarder à suivre l'histoire. Eh bien, merci, du coup, d'avoir apprécié le début du jeu. Je sais pas du tout s'il y a des sauvegardes, en fin de compte. Ouais, c'est ce que je voulais voir, mais je pense que ça doit être... Ça sauvegarde automatiquement, je pense. C'est quoi, ça? C'est TPV. Hein? Tu peux jouer au niveau, hein. Ah, on peut changer son niveau. Oh, c'est cool. C'est TPV. Bah non, du coup, c'est pas mes PV. Mais du coup, bah... Oui, bah, de toute façon, ça... Voilà, on l'avait dit, c'était un jeu qu'on voulait faire depuis très longtemps, donc... Ouais. Attends, quoi? Supprimer les échos, affronter les échos. En gros, tu dois juste les voir et après tu peux fuir. Alors moi c'est bon, j'ai vu le boss, c'est bon, je suis parti. Non, il y a save dans le menu. Non, il y a save dans le menu. Version Nintendo Switch. Attends, quand tu vas dans le menu, je crois que ça save en fait. Quand tu quittes et que tu retournes dans ton télé. Ah voilà, ouais, ça sauvegarde, ok. Dès que tu fais un truc. Incroyable, j'ai sauvegardé, regardez. Bon, j'aime quand vous doublez les personnages, merci. Et bah du coup, le jeu, bah voilà, on est au début donc on a encore rien fait. Il y a l'air d'avoir plein de choses à faire. C'est cool qu'on puisse jouer à deux. Ouais, là franchement, c'est une belle surprise. Je m'attendais pas. Et du coup, bah tant mieux parce que j'étais là. Oh là là, les RPG en général ça finit mal parce qu'on en a marre de se passer la manette ou des trucs comme ça. Ouais. Mais là, non, ça va, on peut jouer tous les deux, du coup, c'est cool. Ouais, tu peux même rien faire, et du coup, tout va bien. Du coup, bah... Du coup, voilà, le jeu, il est joli, mais ça, bah... Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup la direction artistique, j'aime bien aussi la direction, bah, du coup, musicale, ça a l'air sympa, j'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau copyright, par contre. Oui, oui, là, c'est je ça, sais pas c'est trop ça, ce qui va ça, se passer c'est avec ça la qui, c'est ça qui me fait peur, mais bon, bah, voilà. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé le stream, j'espère que... voilà... Enfin, à mon avis, on a les versions DS, c'est un petit peu plus, comment dire, sale, tu vois. Ouais, 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 je voulais voir un peu. Est-ce qu'on fera la suite? Bah, ce serait bien que oui. Alors, j'aimerais bien essayer d'y jouer le plus possible à la suite, donc peut-être qu'on va le continuer demain. Je dis peut-être parce que j'ai quelque chose à préparer et je sais pas comment je vais m'organiser. Et du coup, voilà, on va essayer d'y jouer toute cette semaine. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé le stream et à bientôt tout le monde. Ah, au fait, là, du coup, on est plus en stream, mais on voulait rajouter un bout. Et en fait, on a décidé de rediffuser le stream sur la chaîne, comme ça, vu qu'en ce moment, on n'avait qu'un let's play et que les gens s'impatientent, ils veulent autre chose. Alors, du coup, on vous propose de regarder les rediffusions de The World Ends With You.